nous avons décidé de regarder ce passé bien en face, sans esprit de repentance, avec la lucidité d'une ville qui considère que, quelle que soit notre couleur de peau, cette histoire est notre histoire collective. Parce que ce n'est que dans la transmission, dans le débat et dans le partage que nous ferons vivre de manière vibrante cette histoire collective qui nous rassemble. Si nous ne savons pas être à la hauteur de ce que les droits humains nous ont proposé, alors nous aurons échoué et alors il faudra vraiment regarder tous ces enfants qui racontent à quel point la France n'a pas de souche déterminée. Voilà, c'est comme ça et il faut l'admettre.